Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound V2 Bigiraffe. Vous connaissez tout ça. Je pense qu'on va encore changer d'endroit. On va prendre Epsilon là qui est juste ici, qui est gigantesque. Volcanique ta mère. Je ne la referai plus, je suis désolé. On va aller sur celle-là. Le magma, je n'y suis pas retourné. Peut-être qu'on devrait le faire. Je ne sais pas. Heat protection. Hop, on passe dans les abysses mélancoliques et subtils. Raffiné, non? Ah oui, raffiné. Sachant que oui, il faudrait vraiment qu'on trouve ces deux petits objets à trouver parce que il faut qu'on augmente la taille de notre vaisseau. On trouve beaucoup de nouvelles choses. On n'est cependant pas en mesure de les entreposer parce qu'il nous faudrait encore. Donc il y a deux pièces encore derrière ce truc là. Deux améliorations du vaisseau. Donc voilà, voilà, voilà. Et les poubelles, je ne les ai pas rangées. Ça. Je viens de m'en rendre compte juste avant, chers amis, hein, j'en suis désolé. Hop. Je trouve que mon jeu est un peu laggy en ce moment. Oula, oui, complètement laggy. Mais... Alors, je sais qu'il y a eu une mise à jour. J'ose espérer que cette mise à jour ne rendra pas mon jeu complètement laggy encore plus. Hein. Tout simplement parce que, voilà quoi. Oh là là, qu'il est laggy. Oula là. Ça j'aime pas ça chers amis, je n'aime pas ça. On va boire un coup, ça fait du bien. Et on va y aller. Ah oui non non là il y a un truc qui va pas chers amis, il y a un truc qui va pas. Je regarde bien mon jeu, non pourtant il n'y a rien. Oulala. 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 Bon c'est pas grave, on va faire avec hein. On va poser un drapeau. Là, parfait. Oh mince. My bad. Ok. Parfait, on va partir sur la droite. Allez, saute. Merci. Désolé pour la charge, c'était raté. Oh, c'est quoi ce truc là? Une fosse à monstre, oui, pourquoi pas. Donc je vous rappelle que l'objectif est de trouver donc un temple souterrain à Vian et un centre pénitentiaire humain. Hop, parfait. Pour une raison inconnue, il bug complètement contre le petit rocher sur le marque du trou qui est devant. Je l'ai eu. Hop, on y retourne. Oula, c'est chaud par là. Point, 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 point. Bon, 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 je n'ai pas lancé le timer. J'y vais de ce pas. Hop, c'est parti. D'être sûr. Prendre ça, mais ça je vais pas le prendre, non, voilà, je vais pas le prendre du tout même. Voilà. C'est fait. Hop. J'ai perdu le... Depuis hier. Bon, je vais te laisser en vie. Hein. D'accord, ici il y a donc un boss.
Joli. Va-t-il revenir? Il est revenu. Monsieur Akarm. Mouais. Je dirais pas que c'est moisi, mais c'est pas top, hein. Un pauvre bouclier, encore du chili. Comment que je suis trop balèze. Ça va mes chevilles, vous inquiétez pas. Raté. Je t'ai pas raté par contre. Enfin bon. Ah non, c'était un légume. Hop, les... toi je t'ai pas raté non plus. Non plus. J'ai récupéré le légume. Parfait, le Neon Melon. Ça me dit quelque chose bizarrement ce truc là. Il y avait genre un repas super classe à faire avec dans l'ancienne mise à jour. Enfin bon. Pour l'ultra laser, je suis désolé. Je suis désolé aussi pour ça, c'était vraiment pas intentionnel. Enfin, un petit peu quand même, mais. Hop les... Y'a respect ou y'a pas respect? Des graines de néon melon, parfait. Une épée à une main, une dague à une main, pardon. Raté pour l'ultra laser. Hop. Parfait. Ouais, bah ça se passe pas si mal, chers amis, on trouve rien du tout, mais ça se passe pas si mal. Excusez-moi, je risque d'avoir le hoquet. J'évite ça. Je suis un être humain normal, chers amis. Encore une qui est coincée dans le sol. Attendez, je vais vous sortir de là, madame le, la yacht il. Y'a la yacht là. Yacht là. Je la ferai plus jamais non plus celle-là. Bon. Voilà, vous êtes libre, madame. J'ai dit que vous étiez libre, madame. Bon, laissez tomber, madame. Vous êtes une yacht là, donc je ne vais pas vous vendre. Vous tuer, pardon. Ce que vous avez à rendre par contre c'est vraiment moisi. Hein. Précisez. Ça c'est fait. Ça c'est moisi. Ça c'était balèze. Là il y a un coffre. Et ça c'est fait aussi. Alors. Intéressant. Ça fait vachement mal malgré ça, malgré tout. Bon. Là-dedans, pas grand chose. Bon, parfait. Alors. J'ai remarqué que je me suis calmé sur la lave, hein. J'en ai pris beaucoup moins. Je pense qu'on a fait le tour, ouais, ça m'en doutait un petit peu à vrai dire. Bon bah on remonte. Je me gratte un peu. Ah, j'espère.
J'espère que je n'avais pas de problème au niveau du micro. Sachant qu'il touchait ma joue. Bon, je vous ai touché par un micro. Alors, j'ai pris sur la plus près, donc la deuxième maintenant. Frigid Ocean, Magma. On va aller sur la petite. Une petite de glace, donc il faut changer d'armure. Bien, ce que ça donne. Alors je vais quand même envie de vérifier vite fait comment il fonctionne. D'accord, double top down. Ah ah, falloir qu'on refasse des drapeaux, chers amis, bientôt. On n'aura pas eu assez. Bon, c'est pas grave. On va tirer vers la droite. Il y avait un coffre, j'avais pas vu. On trouve encore un de ces foutus boucliers. Juste pour voir. Ah mince. Ça ne pète pas les blocs, c'est dommage. Ça aurait été quand même... J'ai cru voir du magma à l'espace d'un instant. Ah, ça fait zéro dégâts en fait, ok. Ça me couvre de tous les dégâts de chute. Ça c'est cool. Alors, oh, un steel drum, génial. Celui-là je l'avais déjà. C'est parti, on progresse. Voilà, parce qu'il y avait un putain d'obstacle là. Désolé. Je fais ce que je peux, chers amis. J'essaie de me calmer, mais j'arrive pas. En fait, le Grand Smash peut être assez cool si tu prends la peine de l'utiliser quand tu veux descendre dans une grotte. Parce que je pense qu'il augmente clairement ta... C'est balèze, je n'ai pas vu venir. Bon, panne de Steam Pack rouge. Oh, je l'ai pris pour un ennemi au début celui-là. Bon. Oula. Bon, on va se remettre à manger un petit peu parce que là je sens qu'on est en train de bousiller nos ressources de... Ah bah attendez. Ok, tes trucs là, moi. Est-ce que c'est un château ou est-ce que c'est simplement une tour? Ah, je crois que c'est une des fameuses tours, vous savez, avec le... Bah justement, le roi qui peut lui porter une des couronnes. Ouais, voilà. Et il n'avait rien d'autre sur lui que ça. Bon bah ce n'est pas grave. Alors j'imagine qu'il y a une des deux. Oh, vous auriez pu faire le nécessaire. Ah, je suis vexé. Hop, oui je sais, j'en ai déjà plein comme ça, mais quand même je suis vexé. Hop, c'est pas grave. Oui, du poison. Pourquoi je suis presque plus étonné d'ailleurs. Et je me suis suicidé à cause du poison et de ma propre bombe. C'est génial, chers amis, c'est génial. Bon, bah on descend. Et on va faire une accélération. Ouais.
meilleur accessoire, vraiment de meilleure qualité, on va dire. Voilà, on a retrouvé là où nous étions, là où nous en étions un petit peu. Bon. Cependant, je n'ai rien du tout à aller chercher là-dedans. Et là, c'était un gros fail. Pour une raison inconnue, le F n'a pas fonctionné. Donc, je passe l'éponge là-dessus. Car ce n'est pas ce que je recherche, chers amis. Chers amis. Voilà que je perds l'usage de ma langue. Certaines femmes en seraient tristes. Point, 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 point. Oh non. Si j'en tue un pour en récupérer un autre, c'est chiant. Ah. Oh, c'était beau. J'en suis fier, chers amis, je suis désolé. Celui-là, je l'ai trouvé juste magique. Respect, il n'y a pas respect. Ouh, Slave Blade, c'est bien ce qui me semblait. Bon, je vais la tester parce qu'apparemment tout le jeu là de vouloir me la donner. Oh, ah bah oui, c'est l'épée de... On dirait c'est là le pouvoir de l'épée de Link. Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, on peut l'utiliser. Lui était à moitié bugué, j'ai pas compris pourquoi. Mais ce n'est pas grave. J'ai la rage. Ok, bon, on trouve pas grand chose ici. Hein. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Où on en est dans l'épisode, chers amis? On en est dans l'épisode. On en est à 15 minutes, ce qui doit faire à peu près 18 minutes au total. Je pense qu'on va aller se diriger vers la prochaine planète. On fait le choix puis nous y diriger. Donc le troisième ligne, il est là. Nous avons une volcanique, une magma et une dead. On va commencer par la dead. On va aller se faire quelques fabriques. On va quand même vérifier d'abord ce qu'il nous faut pour en faire. Et est-ce que...
115 fabrique. 515. 115 divisé par 3, ça fait beaucoup trop. Ça fait 25. C'est parfait. Ah, moi j'ai pas mes fabriques. Ah, je suis full. Yes, we full inventaire. Maqué. Qu'est-ce qui se passe encore? Hop, voilà. Oh, tellement d'armes, chers amis, tellement d'armes. Ah, ça, je les ai déjà en double, en triple, en quadruple. Ce bouclier aussi, je l'ai déjà. Celui-là aussi, je l'ai même dans une version un peu plus puissante que ça. Bon, eh bien les amis, on va se laisser. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à le plus vériser, le commenter, le partager, vous abonner, vous présenter dans les commentaires pour participer à une session de tournage. Et je crois que ceci est un bug. Voilà, c'est bon. Clic droit. Clic droit suffisait. Je n'ai plus mes lumières en haut, vous avez remarqué ? Je n'ai plus mes lumières, ce qui m'intrigue et m'embête. Je vais aller les remettre avec vous, chers amis, et on va se laisser là-dessus. Tous les coups, je les ai toutes supprimées. Bon, je sais où je pourrais ranger mes lumières, en tout cas. Enfin, mais le reste de mes objets. Et B. Déjà, ça m'étonne qu'elle ait disparu. Je croyais bien qu'il y avait moins de lumière dans ce coin-là, mais quand même. Voilà. De là à faire disparaître des lumières, bon bah je vais mettre celle-là, c'est pas grave. Est-ce qu'elles sont... Oui, elles le sont. Parfait. Hop. Les points rouges sur les points bleus et nous sommes bons. Parfait. Ok. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos et à vous y abonner. En tout cas, moi, c'est le meilleur moyen que vous avez pour me faire plaisir et pour me donner l'envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens. Hop.